Lève la main. Tu vas dire, cher Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Ce matin, j'accueille ta présence. Rends-moi ministère. Rends-moi ministère. Travaille en moi ce matin. Élève la voix, commence à parler au Saint-Esprit au nom de Jésus. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, mon frère, parle bien, ne parle pas sur les lèvres. Ne parle pas seulement sur les lèvres. Parle du fond de ton cœur. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es là ce matin. J'accueille ta présence. Rends-moi ministère. Travaille en moi. Agis dans ma vie. Parle du fond de ton être. Si lui ne fait pas, personne d'autre ne peut le faire. Si lui ne fait pas, rien ne se passera. C'est lui qui accomplit les pensées de Dieu. C'est lui qui exécute les desseins du Seigneur. Dis, rends-moi ministère ce matin. Travaille dans ma vie. Agis en moi. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivé. Révèle-moi la parole. Agis dans ma vie. Manifeste ta puissance en moi. Mon frère, prie, insiste, continue à prier. Continue à prier. Parle. Invoque le Saint-Esprit, prie-le. Rends-moi ministère, travaille en moi. Agis dans ma vie. Saint-Esprit, rends-moi ministère. Saint-Esprit, rends-moi ministère. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère. Agis en moi, ô Esprit de Dieu. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Zacharie. Chapitre 8, 12 à 13. Zacharie. Quand les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, les de Judas et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Amen. Je reprends un peu. La Bible dit, les semailles, ce que vous avez semé, ça va prospérer. Les vignes vont rendre leurs fruits. Et la terre donnera ses produits. Et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations. De même, je vous sauverai. Et vous serez en bénédiction. Frère, c'est quelque chose que j'ai retenu pour les requêtes de prière normalement en ce qui concerne de la malédiction à la bénédiction. Frère, ça exprime clairement la transition de la malédiction à la bénédiction. Lève la main. Tu vas prier au nom tout puissant de Jésus. Dis, mon Dieu, mon Père, fais de moi l'objet de tes bénédictions. Fais de moi un sujet de tes bénédictions.
dans mon travail, dans ma famille, dans ce que je fais, dans ton église même, et dans cette nation, fais de moi un sujet de ta bénédiction, un objet de ta bénédiction, que je sois en bénédiction dans ce pays. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, et quand on parle de bénédiction, ce n'est pas seulement financier, ce n'est pas seulement matériel. La bénédiction est vraiment vaste. Tout ce que tu peux recevoir de Dieu comme bienfait, c'est une bénédiction. Mon frère, prie. Seigneur, fais de moi l'objet de tes bénédictions. Bénis-moi dans ma famille. Bénis-moi dans mon travail. Bénis-moi dans ce peuple. Bénis-moi dans cette nation. Seigneur, élève-moi et fais de moi l'objet de tes bénédictions. Mon frère, prie, insiste. Réclame sur chaque aspect de ta vie la bénédiction de Dieu. Sur ce que tu fais, la bénédiction de Dieu. Afin que tu prospères. Ce que tu sèmes puisse prospérer. Mon frère, insiste. Seigneur, répands ta rosée vivifiante sur moi. Répands ta rosée sur ma maison. Répands ta rosée sur mon ministère. Répands ta rosée sur mon travail. Répands ta rosée sur l'œuvre de mes mains. Que ce que je sème porte du fruit. C'est de moi l'objet de ta bénédiction. Selon ta promesse. Insiste. Mon frère, prie, insiste. Insiste. Celui que Dieu bénit va prospérer. À tous égards, il va prospérer. Dans le nom de Jésus, amen. Dis amen sur ça. Amen. Lève tes mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour moi à la croix. L'œuvre de la rédemption. Et tu vas dire, je réclame ce matin dans ma vie les bénéfices, les bienfaits et les bénédictions qui découlent de cette œuvre. Dans chaque aspect de ma vie, que les bénéfices, les bienfaits, les bénédictions de cette œuvre se manifestent dans chaque aspect de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frère, le grand thème, n'oubliez pas les 12 transitions opérées par Christ dans la rédemption. Seigneur, je réclame. Je réclame ce matin. Je réclame les bénéfices. Je réclame les bienfaits. Les bénédictions de l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix. Mon frère, prie, insiste. Ta prière manque d'ardeur. Que l'œuvre de la rédemption devienne pleinement manifeste dans le nom de Jésus de Nazareth. Lâche, lève la main. Tu vas parler avec autorité. S'il y a un aspect de ma vie que les ténèbres tiennent encore dans la captivité, ce matin j'ordonne que ce domaine de ma vie soit libéré ce matin. Tout domaine de ma vie que les ténèbres retiennent encore en captivité, retiennent encore captif, soit libéré ce matin. Frère, lève la main. Alors Jésus.
Tu m'as dit Jésus. Tout ce qui est en moi et qui ne vient pas de toi. Ôte-le de ma vie. Élimine-les. Arrache-les, éradique-les. Tout ce qui est en moi, où se passe en moi, et qui ne vient pas de toi, qui est du Dieu de ce monde, arrache-les, élimine-les, éradique-les. Élève la voix, commence à prier avec agressivité. Mon frère, nous devons sortir de ce programme changé. Totalement changé. Tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui est en moi et qui ne vient pas de toi, Seigneur Jésus, arrache-le. Arrache. Élimine-les. Éradique-les totalement. Dessouche-les, déracine-les. Tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné, la Bible dit. Mon frère, prie avec agressivité. Il est temps de finir avec ça. Il est temps. Seigneur, Seigneur, élimine. Des souches là. Mon frère, prie, insiste. Pray. Il y a un temps pour écouter. Il y a un temps pour prier, vivre les choses. On a beaucoup écouté. On a trop écouté. Mon frère, prie. Seigneur, enlève de ma vie, arrache de ma vie tout ce qui n'est pas de toi, arrache de ma maison, de la vie des miens, ma femme, mes enfants, arrache de ton peuple, arrache tout ce qui est du Dieu de ce monde, tout ce qui est de Satan, de ses agents. Arrache, dessouche, élimine, éradique-les, Seigneur. Mon frère, parle encore. Parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, j'ai mon papa à la maison. Il est là depuis une semaine. Et ton fils, c'est le premier con. Moi-même m'asseoir à ses pieds pour écouter. Tu vas te lever sur tes pieds et applaudir très très bien. Je dis bien, si tu veux que Dieu t'honore. Nous allons accueillir notre papa. Frère, si tu veux que Dieu t'honore, applaudis très bien. Applaudis très très bien. Très bien. Amen. Hallelujah. Amen. Enyoluwa logo. Non, il nous Enyoluwa logo. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I greet you in the mighty name of Jesus. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. I'm happy that you are happy. Je suis heureux que vous soyez heureux. I thank God for your life and for the grace of God in the life of Apostle Paul again. Je bénis le Seigneur pour vos vies et aussi pour la vie de la grâce de Dieu dans la maison de l'apôtre Paul again. Listen to me. Écoutez-moi. You have not seen anything at all. Vous n'avez encore rien vu jusque-là. Greater things are on the way for you. Les plus grandes choses sont sur le chemin. Woo! Because I saw it many years ago. Parce que j'ai vu cela il y a des années. And God told me. Et Dieu m'a dit. This young man. Ce jeune homme. I am taking him. Je l'amène. Across Benin. Dans tout le Benin. Beyond Benin. Au-delà du Benin. And he shall be revealed. Et il sera révélé aux nations. I thank God. I can see the revelation. Je bénis le Seigneur parce que je peux voir cela se réaliser. I thank God I can see it. Je peux le voir.
I can see it. Je peux le voir. I can see it. Je peux le voir. I can see it. Je peux le voir. I can see it. Je peux le voir. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Sarah J. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. OK. Sarah J. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. I am happy that you are happy this morning. Je suis heureux que vous soyez heureux ce matin. And I believe that in this period of transition, et je crois que en cette période de transition, you will not remain stagnant. Vous n'allez pas rester stagnant. Because God is changing you from one point to a greater. Parce que Dieu est en train de vous prendre d'un point à un autre point plus élevé. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt? Open your Bible. Ouvrez nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Isaiah. Esaïe. Chapter 40. Esaïe 40. Verse 29 to 31. 29 à 31. Esaïe 40, 29 à 31. I want someone to read for us in French. J'aimerais que vous puissiez lire cela en français. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. They that wait upon the Lord. Ceux qui espèrent en l'Éternel. In this year. En cette année. If you can wait upon the Lord. Si tu peux espérer en Dieu. You will see your change before your change comes. Tu vas voir ton changement avant que cela ne se manifeste. If you can wait upon the Lord. Si seulement tu peux espérer en lui. Last Sunday. Le dimanche passé was a beautiful opener. Beautiful opener to the message. Était un merveilleux début. That this season that you are, que cette saison où nous sommes, God will change you from point A to point B. Dieu va te changer, va t'amener du point A au point B. It will be a personal experience. Ça sera une expérience personnelle. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt? I hope that you are changing already. J'espère que le changement est déjà en train de se passer avec vous. Something is changing in your life. Quelque chose est en train de changer dans votre vie. God is at work in your life. Dieu est en train de travailler dans votre vie. He is taking you to one point to another. Il vous prend d'un point à un autre. This is a revelation. Ça c'est une révélation. A revelation. C'est une révélation. That you must experience. Que vous devez expérimenter. Amen. Amen. A revelation. C'est une révélation. That you become transparent. Qui doit être devenir transparent. Hallelujah. Amen. In this year. En cette année. You must be an eagle Christian. Vous devez être un chrétien aigle. Of all the birds in the world. De tous les oiseaux dans le monde. God created an eagle. Dieu a créé l'aigle. To be different. D'être avec différence. From other birds. Des autres oiseaux. The eagle. L'aigle. As other birds see him. Comme les autres oiseaux le voient. They are below him. Ils sont sous lui. Listen to me. Écoutez. This year. Cette année. As people look at you. Les gens vont te regarder. They will see you below. Et ils vont se voir en you bas, en dessous de vous. Et vous serez au dessus. They shall be below. Ils seront en but bas. You will be above. Mais vous serez en haut. Listen, you must aspire. Écoutez, vous devez aspirer à cela. Don't just be an ordinary Christian. Ne soyez pas un chrétien ordinaire. Aspire to be greater. Aspirez à devenir grand. As you aspire to be greater, God will lift you up. Quand vous aspirez à la grandeur, Dieu va vous élever. Is somebody here this morning? Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Who are to be a better person than last year? Qui aspire devenir meilleur que l'année passée? Amen. Are you here this morning? Est-ce que vous êtes ici ce matin? You desire. Tu dois désirer. To be better. D'être meilleur. Than last year. Que l'année passée. You don't want to remain the same. Vous ne devez pas rester la même personne.
Some people said, "Well, I don't worry." Les autres personnes disent, non, je ne m'inquiète pas. Even when we get to heaven, même quand nous irons au ciel, let God make me a great man. Mais que Dieu fasse de moi-même un gardien. Okay, how many of us want to be great men in the kingdom of God? Combien d'entre nous veulent devenir des grandes personnalités au ciel, dans le royaume de Dieu? Great man. Qui veut être gardien, surveillant? You want to be a great man. Qui veut être sentinelle? So when we are coming, when we are coming, donc quand nous allons arriver, then you open the door for et us. Toi tu vas ouvrir la porte du ciel we pour enter nous, the kingdom. Pour que nous puissions entrer. How many great men are here? Combien sont des sentinelles? Combien de gardiens y a-t-il ici? Raise up your hand. Levez vos mains, je veux voir. Great man is good. Great man is good. He opens the door. La sentinelle fait un bon travail. Il ouvre la porte. At least he sees heaven. Au moins il va voir le ciel. But he cannot enter there. Mais il va pas entrer. Great man. Sentinelle. They hear what is happening in the auditorium. Ce qui se passe dans l'auditorium. But they don't participate. Ils entendent cela mais ils ne participent listen pas. To me this year. Écoutez-moi cette année. Jesus will transit you. Dieu va vous transiter. From point that you are. Du là où tu es. That people look insignificant. Et que les gens vous voient comme that étant you are rien. Tiny. Que vous n'êtes rien. He will lift you up. Et il va vous élever. He will take you high. Il va vous he élever. You high. Il va vous élever. You high. He will take you high. He will take you high. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Be an eagle Christian. Soyez un chrétien aigle. Don't be ordinary. Ne soyez pas ordinaire. Eh? Eh? Don't be ordinary. Ne soyez pas ordinaire. Aspire to be the best. Aspirez à devenir le meilleur. The eagle is an excellent bird. L'aigle est un oiseau d'excellence. And so God made him. C'est comme ça Dieu l'a créé. Do you know the ostrich? Est-ce que vous connaissez l'autruche? Ostrich is beautiful. L'autruche est très beau. Beautiful color. Et il a de belles couleurs. Everything in her is beautiful. Tout en lui est beau. But she only operates on it. Mais il peut seulement opérer sur la terre. Listen to me. Écoutez-moi. You are born again to operate on her. Vous êtes né de nouveau pour opérer dans le, en l'air, dans l'atmosphère en l'air. You are changed from glory to glory to glory to glory to glory to glory. De gloire en gloire, de gloire en gloire, en gloire en gloire. So that you can excel. Afin que vous puissiez exceller. Like an eagle. Comme l'aigle. Amen. 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 You must desire. Vous devez désirer cela. This 2021. Cette année 2021. When people will see me. Quand les gens vont me voir. They shall see a reflection of the one that lives in me. Ils doivent voir la le reflet de celui qui vit en moi. They shall see a reflection. Ils doivent voir le reflet. A carbon copy. La copie. Of Jesus. De Jésus-Christ. This year. Cette année. Don't desire to be normal. N'aspirez pas à rester normal, ordinaire. Normal Christian. Être un chrétien ordinaire. Non, 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 non. Non, 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 non. Excellent Christian. Vous devez être un chrétien excellent. Great Christian. Un grand chrétien. Mighty Christian. Un chrétien puissant. You must desire. Vous devez désirer cela. If you do not desire to be an excellent person, you cannot be. Si vous ne désirez pas cela, vous ne pouvez pas le devenir. Desire now. Vous devez le désirer maintenant. In this time of changing, en cette saison de changement, I want people who know me before, j'aimerais que ceux qui m'ont connu avant, to see a difference in my life. Voient une différence dans ma vie. Those who have known you before, ceux qui m'ont connu avant, they know your background. Ils connaissent ton background. But when they see you now, mais quand ils vont te voir maintenant, you are in a different platform. Ils doivent te voir à une dimension différente de celle que because tu étais. Because you have been lifted. Parce que tu as été élevé. You have been lifted. Tu as été élevé. You have been lifted. Tu as été élevé. God wants to lift you. Dieu veut t'élever. Do you desire it? Est-ce que vous désirez cela? Do you desire it? Est-ce que vous désirez cela? Do you expect it? Est-ce que vous espérez cela? Do you want to experience it? Est-ce que vous devez, vous voulez expérimenter cela? Hallelujah. Amen. An eagle. Un aigle, in his nature, dans sa nature, sees other birds. Il voit les autres oiseaux. They fly, voler, on earth, sur la terre. So they try to fly up. Certains d'entre eux essaient de prendre he de l'envol. As for me, mais il s'est dit moi, I am due for up. Je suis créé pour être listen en haut. To me, you are due for up. Moi, vous êtes créé pour vivre you are due en for haut, up. Pour être au-dessus. You are due for up. Tu es créé pour être you au-dessus. Are due for up. Tu es créé pour être God au-dessus. Will take you there. Dieu va t'amener à cette dimension, à cette hauteur. God will take you there. Dieu va t'amener à cette hauteur. But you must aspire. Mais vous devez aspirer à cela. Who is Jesus? Qui est Jésus?
When Jesus appears any place, quand Jésus apparaît n'importe où, the place must change. L'endroit doit changer. When Jesus appears any place, quand Jésus apparaît quelque part, every condition of man must toute change. Condition humaine doit changer. When you appear this year, et vous, quand vous allez apparaître cette to any année, place, peu importe le lieu, you will be an influence of Jesus in that place. Vous serez l'influence de Jésus-Christ à cet endroit-là. You will say this morning, vous allez dire ce matin, God, Dieu, make me an excellent Christian. Fais de moi un chrétien excellent. I told my daughter, j'ai dit à ma fille, I said, you are a lecturer. J'ai dit, tu es une enseignante. When you mark scripts, quand vous corrigez les copies, you give somebody fear. Vous just, donnez à certaines just personnes fear. La peur. It's not pass. Il n'a pas passé, il n'a pas réussi. It's just at the place that just let him go. Donc vous considérez la copie, vous dites qu'il n'a pas réussi, vous lui donnez juste it, une note de complaisance. He has tried. Let him go. Il a essayé de faire quelque non. chose, je le laisse passer. Non. I said that is not pass. Je lui ai dit non, ça ce n'est pas réussi. I said you know. Et je lui ai dit toi tu le yes, sais. Daddy, elle a dit know. Oui, je sais. Listen to me. Écoutez-moi. Jesus is raising this year. Cette année Jésus est en train d'élever. Excellent, perfect Christians. Des chrétiens excellents, parfaits. Excellent, perfect Christian. Des chrétiens excellents, parfaits. When you appear in your place of work, quand vous apparaissez là où vous travaillez, or business, dans là où vous faites les affaires, people look at you. Les gens vont te regarder. Something is different from this person. Ils verront que quelque chose a changé en vous. Something is different about this person. Quelque chose a changé. Listen to me. Écoutez-moi. You will declare. Vous allez déclarer. To your life. Dans votre vie. To your family. Sur votre famille, to your business, dans vos affaires, to your work, dans votre travail. Say, this year, cette année, you must be different. Vous devez être différent. You said amen. Vous avez I dit amen. Declare that. You will declare that yourself. Moi, je l'ai dit, mais vous devez le déclarer vous-même. Wait. Attendez. Point to me. Point to me. Ne pointez pas vers moi. Point to me. Ne pointez pas vers moi. Victor. Victor. That's my name. Ça c'est moi. This year, cette année, you must be different. Tu dois être différent. Point to me, point to me. Vous pointez le doigt vers moi et dites Victor. 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 You must be different. Tu dois être différent. Okay. Oh, some of you are pointing to me. You like me very well. Vous m'aimez beaucoup maintenant. Oh, j'aimerais que you. Tu pointes le doigt vers toi-même, que tu mentionnes ton nom pour dire moi. Cette année, je serai différent. You must point to yourself. Maintenant, pointez le doigt vers vous-même. Call yourself. Appelez votre nom. Call your name. Mentionnez votre nom. Call your name. Mentionnez votre nom. This year. Cette année. You must excel. Je dois exceller. You must excel. Je dois exceller. You must be different. Je dois être différent. In everything that you do. Dans ce que je fais. In my work, you must be different. Dans mon travail, je dois être différent. Anywhere I go, I must be different. Partout où je irai, je serai différent. Jesus must show himself through me. Jésus doit se manifester au travers de ma vie. Hey. Whatever I do, quel que soit ce que je fais, this year, cette année, I must be different. Je dois être différent. There must be difference in me. Il doit y avoir une différence en a moi. Change must take place. Un changement doit être manifeste. The change must be seen. Un changement doit être visible. They must see the change. Ils doivent voir le changement. They must see the change. Ils doivent voir le changement. People will see the change. Les gens doivent voir and le glorify changement. My father et who is in heaven. Glorifier mon Père qui est dans les cieux. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Begin a great change in my life. Commence ces changements dans ma vie. More than I've ever seen. Plus que ce que j'ai déjà expérimenté. Let me experience greater things in you. Je veux expérimenter ce qu'il y a en toi. Oh. Oh. Listen to me. Écoutez-moi. I don't know who what you are now. Je ne sais pas qui tu es maintenant. I don't know what you are passing through now. Je ne sais pas ce que tu traverses. But I know what God is about to do. Mais je sais ce que Dieu est sur le point de faire. God is about to take you. Dieu est sur le point. Take you. Est sur le point. Remove you from that place. De t'amener de là où tu es. Take you up. T'amener au-dessus. To soar high. Pour que tu puisses planer. To soar high. Pour que tu puisses planer en haut. To soar high. Pour que tu planes comme l'aigle. Like an eagle. Comme l'aigle. To soar high. Pour que tu planes comme l'aigle. Like an eagle. Pour que tu planes comme l'aigle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This year, cette année,
You not only swear I am be excellent. Tu ne vas pas seulement planer et être excellent. You shall be shining. Mais tu vas briller. You shall be shining. 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 Tu vas briller. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I recall some missionaries. J'ai appelé certains missionnaires. They went to somewhere. Ils sont allés quelque part. To preach the gospel. Pour prêcher l'évangile. They were ordinary people. C'était des gens ordinaires. But Jesus Christ made them extraordinary. Mais Jésus les a rendus extraordinaires. They went there preaching. Ils sont allés pour prêcher. By the time they finish, quand ils ont fini, they went. Ils sont partis. The grace of God in their life began to multiply. La grâce de Dieu dans leur vie a commencé à se multiplier. Some people came there after. Et les gens sont venus après. To preach the same gospel. Pour prêcher la même évangile. These people are not like those people. C'est, ils ont dit, mais ceux qui sont venus ne sont pas comme ceux qui viennent de quitter ici. These people, they just came, they are like us. Ceux qui sont venus maintenant sont juste comme nous. But those who came before, mais ceux qui sont venus avant eux, they were different. Étaient différents. You shall be different. Tu dois être différent. Wherever you go, you shall be different. Partout où tu iras, tu dois être différent. God will make you different. Dieu va faire de toi une différence. I start with difference. Tu dois être différent. Different the way you speak. Différent dans ta façon de parler. Different the way you walk. Différent dans ta façon de marcher. Different way you operate. Différent dans ta façon d'opérer. Wherever you are. Peu importe là où tu vas te know trouver. That you are not ordinary. Tu dois savoir que tu n'es pas you ordinaire. Are extraordinary. Tu es extraordinaire. Oh, thank you. Merci. Apostle. Merci apôtre. You merci are ordinary. Apôtre. Tu n'es pas normal. You are ordinary. Tu n'es pas normal. Listen to me. Écoutez-moi. I know that you are ordinary. Je sais que tu because n'es pas Jesus ordinaire. Is living parce in you. Que Jésus-Christ vit en toi. Jesus is living in Jésus you. Christ vit en toi. And Christ is living in you. Et parce qu'il vit en toi. The book of John. Dans les livres de Jean. Says, as he is. Comme il l'a dit le peuple. So are we. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. As Jesus is. Tel il est. As Jesus operates. Comme il opère. As Jesus demonstrates. Comme il démontre. As Jesus do things. Comme il fait les so choses. So are we in this ainsi world. Ainsi nous sommes dans ce monde. So wherever you go this week, donc peu importe là où tu vas aller cette semaine, let people see a different. Les gens doivent voir la différence en toi. A different person. Une personne différente. Passing by. Qui passe. A different person. Une différente personne. Walking. Qui travaille. A different person. Une personne différente. Singing. Qui chante. A different person. Une personne différente. Anywhere you go. Partout où il va. The image of Jesus. L'image de Jésus-Christ. Is reflected in your life. Doit se refléter dans ta vie. Reflected in your home. Doit se refléter dans ton foyer. In your business. Doit se refléter dans son business. Around you. Autour de toi. And today. Et aujourd'hui. In this season. Dans cette saison. In the season that God is changing us. Dans cette saison où Dieu est en train de nous changer. Don't see yourself as you were last year. Ne te regarde pas comme tu étais l'année passée. See God doing something new. Sois en train de voir Dieu opérer quelque chose something de nouveau. Special. Quelque chose de spécial. Something extraordinary. Quelque chose d'extraordinaire. Because you are an extraordinary person. Parce que tu es une personne extraordinaire. Amen. Amen. Say to God and yourself. Dis à Dieu et à toi-même. I am extraordinary person. Je suis une personne extraordinaire. And point to me and say I'm an extraordinary person. Vous pointez le doigt vers moi et dites vous êtes une personne extraordinaire. I don't hear you. Je ne vous entends pas. Say to yourself. Maintenant dis à toi-même. And say to God. Et dis à Dieu. I am an extraordinary person. Je suis une personne extraordinaire. 2021. De année 2021. Listen to me. Écoute-moi. I am not ordinary person. Je ne suis plus ordinaire. I am not ordinary Christian. Je ne suis plus jamais I am ordinaire. Extraordinary. Je suis extraordinaire. Exceptionally extraordinary. Je suis exceptionnel et extraordinaire. Perfectly extraordinary. Je suis extraordinaire. Hey. Jesus. Jésus. Jesus, Jésus, let your anointing do it for me. Que ton onction fasse cela pour moi. Let your spirit do it for me. Que ton esprit le fasse pour moi. Let your spirit do it in me. Que ton esprit le fasse pour moi. Let your spirit do it through me. Que l'esprit le fasse au travers Jesus, de moi. Jesus, glorify your name. Jésus, glorifie ton nom dans ma vie. Glorify your name. Glorifie ton nom glorify dans ma vie. Your name. Glorifie ton glorify nom dans ma name. Vie. Glorifie do ton nom dans ma vie. Do a new thing in my life. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Do a new thing in my life. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. That we see. Que les gens vont voir et vont glorifier ton people nom. Will see you, les gens vont voir glorify Jesus, et glorifier Jésus. Will see you, les gens vont te voir say, this is a reflection of Jesus et vont dire ceci est le reflet
reflet de Jésus-Christ. You shall be a reflection of Jesus. Vous devez être le reflet de Jésus-Christ. You shall be a reflection of Jesus. Tu seras le reflet de Jésus. God shall make you. Dieu le fera. God shall make you. Dieu le fera. You will not be different. Tu seras différent. Different but extraordinary. Tu seras extraordinaire. When you speak, quand vous dormez, Jesus will speak. Quand vous parlez, Jésus parle au travers de vous. Be ready to speak this morning. Soyez prêt à parler. Be ready to speak to God. Soyez prêt à parler à Dieu. So when you speak, donc quand vous parlez, do you know something? Vous savez quelque chose? How many of you know Paul Agé? Combien d'entre vous connaissent Paul Agé? You know Paul Agé? Who is he? Say it. I don't. C'est une prédicatrice. It's a preacher. Okay, it's a preacher. Is it true? Is it true? Est-ce que c'est vrai? He's a preacher. C'est un prédicateur. Okay, it's a preacher. C'est un prédicateur. He's not a preacher. He's an extraordinary preacher. Ce n'est pas seulement un prédicateur, mais c'est un prédicateur extraordinaire. Listen to me. Écoutez-moi. Whatever you say a man of God is to you, he will be to you. Peu importe. Sorry. Whatever you say a man of God will be to you, he will be to you. La façon dont vous considérez un homme de Dieu, c'est ce qui sera pour vous. You say, well, Paul Agé, I know him. Quand vous dites Paul Agé, je vous connais. He's my brother. C'est mon frère. Okay, brother. Oui, il va rester votre frère. But is he a brother? Est-ce que c'est un frère? Yeah, he's a brother. Oui, c'est un frère. But an exceptionally brother. Mais c'est un frère extraordinaire. Hallelujah. Amen. If you see a man of God to you, so it's going to be to you. De la manière dont vous considérez l'homme de Dieu, c'est ainsi il sera pour vous. Hallelujah. Amen. This year. Cette année. You. Because God is changing you. Toi, parce que Dieu est en train de te changer. Remodeling you. Il est en train de te modeler. Washing you. Il te lave. To present you. Pour te présenter. To the world. Au monde. When Jesus has finished dealing with you. Quand Jésus a fini de traiter avec toi. People will say. Et les gens diront. Who is this man? Qui est cette personne? Who is this person? Qui est cette personne? Who is this person? Qui est cette personne? He is a different person. C'est une personne différente. He has changed and transformed to a different Il a été person. Changé et transformé en une autre this identité. Week, this, cette semaine, this program ce programme is to transform you c'est pour vous transformer. From what degree? D'un degré to another degree. Un autre degré. From one excellence d'un niveau to another excellence. Un autre niveau from d'excellence. One point, d'un point to another point. À un autre point. From what age d'un to another people. Un autre God point. Is transforming you. God is changing you. Dieu est en train de te changer. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Don't miss any of this program. Ne ratez aucun jour de ce programme. Because each message parce que chaque message is to do something in your life. A quelque chose à faire dans votre vie. If you believe, say amen. Si vous croyez en cela, dites amen. Woo. Listen to me. Écoutez-moi. God. Dieu. Does not do anything ne fait rien except he desires to do it. Sans qu'il ne puisse désirer le faire. God brought you here Dieu vous a amené ici to wash you pour vous laver. That you are nothing before, vous n'étiez rien avant. Now you are something. Maintenant vous êtes quelqu'un. Not only something, pas seulement quelqu'un or somebody, or quelque chose, but extraordinary somebody. Mais vous êtes une personne extraordinaire. Excel. Person. Vous êtes une personne excellente. Wherever you go. Partout où vous irez. Wherever you be. Partout où vous serez. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ. Is with you. Et avec vous. Jesus Christ. Jésus-Christ. Will be beside you. Et sera à votre will côté. Walk with you. Il va marcher avec you vous. You excel. Vous allez exceller. You will succeed. Vous allez réussir. You will succeed. Vous allez réussir. This year you will succeed. Cette année vous allez réussir. This year you will succeed. Cette année vous allez réussir. This year you will succeed. Cette année vous allez réussir. This year you will succeed. Cette année vous allez réussir. In Jesus name. Au nom de Jésus. Wow. Wow. Where do you want to succeed? Où voulez-vous réussir? What point do you want to succeed? À quel point, à quel niveau voulez-vous réussir? This is January. Ça c'est janvier. Beginning of the year. Le début de l'année. It is good we are having this program. C'est mieux, c'est très bon d'avoir le programme so en ce moment. So that you have a different perspective. Pour avoir une perspective différente. You see things in a different way. Pour que vous puissiez voir les choses de manière Not différente. Only seeing it, pas seulement voir les you choses, experience it. Mais expérimenter ces choses.
You experience it. Expérimentez ces choses. You experience it. Expérimentez ces choses. Now, what do you want to experience? Qu'est-ce que vous voulez expérimenter? What do you want to experience? Qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Sometimes, des fois, it's good to look at yourself in the mirror. C'est mieux de se regarder vous-même. So yes, yeah, this is me. De se dire oui, oui, ça c'est moi. This is Victor. Ça c'est Victor. Is this Victor? Ça c'est Victor. It's Victor, but a different Victor. C'est Victor, mais un Victor différent. It's anointed Victor. C'est un autre Victor. You are anointed. The anointing of God is coming upon your life. Tu es oint. L'onction de Dieu est sur toi. Tu es oint. It's all over me. C'est it's sur moi. Me around. C'est sur moi it's et c'est autour de moi. Around. It's moving me around. Ça tourne autour de moi. All over me. C'est sur moi. It's moving me around. Et ça tourne autour de moi. Holy Ghost power is moving me around. Et le Saint-Esprit est en train de tourner autour de moi. All over me. It's moving me around. It's moving me around. It's moving me around. All over me. It's moving me around. The Holy Ghost power is moving me around. It's all over me. It's moving me around. It's moving me around. It's moving me around. It's all over me. It's moving me around. Holy Ghost power moving me around. It's moving me around. It's moving me around. It's moving me around. It's moving me around. Ah, Holy Ghost power is moving me around. It's changing me today. It's moving me around. It's moving me around. It's moving me. It's moving me. It's changing me today. It's moving me around. The Holy Ghost power is moving me around. All over me. It's moving me around. It's moving me around. It's moving me around. Oh yeah. It's all over me. It's moving me around. Holy Ghost power. Right now. What is God doing? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? He's changing you. Il est en train de te changer. He's remodeling you. Il est en train de te modeler. He's washing you. Il est en train de te laver. He's washing those things that were not good of last year. Il est en train de laver tout ce qui n'était pas bon en toi l'année passée. Because when you live here, parce que pour que quand tu vas as quitter ici, streets, quand vous allez marcher dans les rues, business, quand vous allez aller dans vos affaires, and you enter, quand vous allez entrer, something tells somebody a different person is entering here. Quelque chose dira à quelqu'un qu'une personne différente vient de faire son entrée. So I decree to you today, donc je déclare cela aujourd'hui. And I command, et je commande the fire of the Holy Ghost, le feu de l'Esprit Saint, Spirit of the living God. L'Esprit du Dieu vivant. You know us one by one. Tu nous connais personnellement. You know us one by one. Tu nous connais personnellement. You know those things that are bogging us down. Tu connais ceux qui nous abaissent. And you want to change us. Et tu veux nous changer. I pray this day. Et je prie aujourd'hui. At each one of us. Que chacun de nous. Last Sunday. Le dimanche passé. The apostle said. L'apôtre a dit. That God is changing the poor to be rich. Que Dieu est en train de changer le pauvre en un homme riche. It's in the Bible. C'est dans la Bible. That is me. Ça c'est moi. He's changing me. Il est en train de me changer. From one point. D'un point. To a greater point. À un point. He said he will change the poor to become rich. Il a dit il fera du pauvre un riche. That is you. Ça c'est toi. Every message for this season. Chaque message de cette saison is to change you from one point c'est to de t'amener other. D'un point à un autre. You know what I had now? God say, Dieu dit,
Tell God, change me. Dis à Dieu, change-moi. To a different carbon copy. À une autre copie. A different carbon copy. Fais de moi une autre copie. That people have never seen. Que les gens n'ont jamais vu avant. Change me now. Dis-le maintenant. Change me now. Maintenant, change-moi. That when I walk from here, quand je vais quitter ce lieu, going home, quand j'irai à la maison, going to my work, quand j'irai à mon travail, tomorrow, demain, they will see a brand new person. Ils verront une nouvelle personne. Pray. Priez. Change me. Change-moi. To a brand new person. Fais de moi une nouvelle personne. Brand new carbon copy. Une nouvelle copie de moi. Of the person in heaven. La personne aux cieux. Of Jesus in heaven. De Jésus-Christ au ciel. Let them see it. Qu'ils le voient en moi. Let them experience it. Qu'ils expérimentent cela. This is Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Seigneur. Can you raise up your hand? Est-ce que vous pouvez lever vos mains? He's able. Il est capable. Abundantly able to deliver and to save. He is able. Il est capable. Abundantly able. Vraiment capable. To deliver, to come to you. De délivrer. He's able. Il est capable. Abundantly able. Vraiment capable. To deliver, de délivrer and to save, et de sauver. He's able, il est capable, vraiment capable, to deliver, de délivrer to come to, et de sauver. He's able, abundantly able, to deliver, oh, and to save. One more time. I want to pray for you. Je vais prier pour vous. Make me. Fais de moi. Excellent person. Une personne excellente. Make me. Fais de moi. Extraordinary person. Une personne extraordinaire. Make me. Fais de moi. Make my family. Que ma famille. Make my work. Que mon travail. Make my business. Que mon business. Extraordinary. Devienne extraordinaire. Above others. Au-dessus des autres. That people will see it. Que les gens vont voir cela and give glory to you. Et rendre gloire en ton nom. Pray now. Priez maintenant. God, make me. Seigneur, fais de moi. Extraordinary Christian. Un chrétien extraordinaire. Excellent Christian. Un chrétien excellent. And to excel in every area of my life. Qui va exceller dans tous les aspects de la vie. To fly high like the eagle, God. Pour planer comme les aigles. To experience greater things this pour year. Expérimenter de grandes choses cette année. I will not be below, I will be je ne serai pas en dessous, mais je serai au-dessus. Pray. Priez. Pray. Priez. Pray. Priez. Pray. Priez. Today, today. Aujourd'hui, aujourd'hui. Father, lift me. Seigneur, élève-moi. Lift me high. Élève-moi. Change my position. Change ma position. Change my condition. Change ma condition. Change my business. Change mon business. Change my work. Change mon travail. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus.
I want to pray for some people. Je vais prier pour certaines personnes. We don't just come to a service. Nous ne venons pas seulement pour être excités. Just to sing. Juste pour chanter. Enjoy ourselves and go. Pour prendre plaisir et partir. We want something to do a definite thing in our lives. Nous devons de voir, nous voulons que les choses deviennent définitives dans nos vies. You have no business. Vous n'avez pas de business. You have no work. Vous n'avez pas de travail. You know the world, the whole world. Dans tout le monde. It's locked up. Est fermé. To some people. À certaines personnes. But it's open to us. Mais c'est ouvert à nous. Amen. Amen. We are the one to shine now. Nous sommes les ceux qui doivent briller maintenant. So you have no business. Donc vous n'avez pas d'affaires. You have no work. Vous n'avez pas de travail. Oh, would you alone? I spoke in tongues. Il faut regarder à Dieu. Il faut regarder à Dieu. Not only for child, pas seulement pour l'enfant. For a business. Mais pour un business. God can give you a business. Dieu peut te donner un business. God will give you a business. Dieu va te donner un business. You will break through. Vous allez prier. This period. Vous allez percer cette the année. World is being locked up. Le monde est confiné. The children of God will shine. Mais les enfants de Dieu doivent prier. You will shine. Vous allez briller. So any area, dans quel, n'importe quel aspect, you do not have, you are not adequate. Que vous n'êtes pas capable. You want to be adequate. Et vous devez, vous voulez God devenir is doing capable. A work in your life now, Dieu va amener une parole dans votre vie. So that you can testify, afin que vous puissiez témoigner, that you are serving a living God. Que vous servez un Dieu vivant. So those people. Ces personnes-là, whether you are looking for a work, qui cherchent du travail, a business, qui cherchent un business, you are looking for a baby, vous cherchez le fruit des entrailles. You say, oh, it is past. It's not past. Vous dites, oh, le temps est déjà passé. Non, le temps n'est pas encore passé. In the presence of God, dans la présence de Dieu, nothing passes except God says it passes. Il n'y a rien qui est déjà passé si Dieu ne l'a pas dit. So I'm going to ask you now. Non, je vais vous poser la question. Whatever you are expecting to happen. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? If it's a business, si grab it. Si c'est un business, recevez-le. Take it by faith. Prenez-le par force. If it's a baby, take si it by enfant, faith. Si c'est un enfant, prenez-le par force. If it's a husband si c'est or un a mari, man, si c'est un homme, take it by faith. Prenez-le par la foi. In this year, en cette année, God will do things in this place. Dieu fera des choses en cet endroit. People will hear it outside. Les gens vont l'entendre de l'extérieur. Say, what has happened to you? Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Say, I met Jesus. Et vous allez leur dire, j'ai rencontré Jésus. Jesus touched me. Jésus m'a touché. I met him. Je l'ai rencontré. And he has changed my et life. Il a changé ma vie. I have changed my life. Il a changé ma vie. He has changed my il a changé ma vie. Jesus is changing you now. Jésus est en train de te changer maintenant. Jesus is taking you from point one to point. Il t'amène d'un point à un autre. This is your year. Ça c'est ton année. Raise up your hand. Lève les mains. Ask God for something. Demandez quelque chose à Dieu. Something definite. Quelque chose de définitif. That you want to give a testimony. Et avec cette chose, vous allez rendre témoignage. Ask God. Demandez à Dieu. I'm going to join you. Je veux me joindre à vous. My faith to your faith. Je veux joindre ma foi à votre foi. And you will receive that you desire. Et vous allez recevoir ce dont vous désirez. Believe God for something now. Croyez que Dieu peut faire quelque chose maintenant. Believe God for something. Croyez que Dieu peut le faire maintenant. As I'm to pray, quand je commencerai à prier, that it will come to pass. Cela va arriver. You will experience. Vous allez expérimenter cela. You will experience. Vous allez expérimenter a cela. New change. Un nouveau changement. A new change. Un nouveau changement. In this hour of transition. Dans cette période de transition. You receive a new change. Vous allez recevoir un nouveau a changement. Et quelque chose de nouveau. It will happen to you. Ça va arriver. You shall experience. Vous allez expérimenter cela. You shall experience. Vous allez expérimenter you shall cela. Experience. Vous allez expérimenter Father, cela. In the mighty name of Jesus. Père au nom de Jésus. Father, in the mighty name of Jesus. Père au nom de Jésus. We are before you this morning. Nous sommes devant toi de ce we matin. Are before you. Nous sommes devant toi. We believe nous croyons what we desire. Ce que nous désirons. We shall possess. Nous allons le posséder. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. What we desire. Ce que nous désirons. We shall possess. Nous allons le posséder. Lord. Seigneur, bring it to pass. Amène cela à l'accomplissement. Amène cela à l'accomplissement. Amène cela à l'accomplissement. Bring it to pass. Amène cela à l'accomplissement. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur.
Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I thank you for staying with my son. Je vous remercie de rester avec mon fils. You know a great person. Vous savez une grande personne. When the storm is quand il y a la tempête dans sa vie, he stands. Il reste statique. He's not moved. Il ne bouge pas. Because it's not ordinary person. Parce qu'il est il n'est pas une so personne thank ordinaire. You for staying with my son. Donc je vous remercie d'être resté avec mon fils. I've said before that you have not experienced anything at all. Je l'ai dit précédemment que vous n'avez pas encore vous n'avez encore rien great expérimenté. Things are coming to Les happen. Grandes choses sont sur la voie. I present to you this morning. Et je vous dis ce matin. A great man of God. Que c'est un grand homme de Dieu. An excellent man. C'est un homme excellent. Anointed. Un homme oint. Anointed to break the yoke. Il est oint pour briser le joug. Anointed to do extraordinary things. Il est oint pour faire des choses extraordinaires. Expect great miracles. Et faire des grands miracles. To be done. Vous devez espérer des grands Through miracles. The man I'm going to announce now. Au travers de l'homme qui est oint. Are you expecting? Est-ce que vous espérez cela? I present to you. Je vais vous présenter. Anointed. Un homme ouin. Un homme ouin. Non, 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 go on. Un homme ouin. Un homme ouin. I present to you. Je vous présente. Anointed man of God. Un homme ouin. The man that comes from God. Un homme qui vient the de Dieu. The man that God will use for you. Un homme que Dieu va utiliser to change pour your vous, life. Pour changer vos the vies. The Holy Ghost fire will be upon him. Et le Saint-Esprit est sur lui. Apostle Paul again. Apostle Paul again. Amen. Frère, je crois que ta vie va changer vraiment. Amen. Oui, c'est la présence de nous. Il y a une phrase qui est revenue et revenue plusieurs fois. Dieu va te laver, te changer et te présenter au monde. Si tu le crois, lève ta main et dis Amen. Bientôt, Dieu va t'introduire. Il va te présenter au grand. Au nom de Jésus de Nazareth. Il va te présenter dans les hauts lieux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'esprit de l'excellence va t'accompagner désormais au nom de Jésus. Ce qui était impossible jusqu'en 2020, en cette année, ça va se passer avec toi au nom de Jésus. Frère, je crois au changement. Jesus name. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.